l'heure du design. C'est l'heure du design. C'est l'heure du design. L'heure du design sur Twitch, c'est l'heure du design. Avec tous les du ici. Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'heure du design, bien sûr. Le nouveau rendez-vous hebdomadaire. Non, c'est pas ça. Oh merde, la piste 6. Oh, la piste 6 qui est restée. Vous avez pas de musique dans le replay, mais c'est une musique banger. Écoutez ça, elle est banger. Et merci beaucoup à Jug001 pour ton abonnement 15e mois. La piste 6 est buggée. J't'emmène avec moi faire la paix. Hebdo matinal, bien sûr. L'hebdo est mienne, l'hebdo est mienne. Allez, on répare la piste 6. Attention, stop. Plus d'ambiance. Y'a plus d'ambiance. Y'a plus d'ambiance. Attention, passage d'un train. Hop. Y'a plus d'ambiance. Y'a re de l'ambiance. Et voilà. Merci beaucoup, Matou. Bonjour Matou, merci pour les 13 mois. Bonjour à toutes et tous. Salut Zuclem, salut Tati SVG, salut Sozega bien sûr. Comment ça va les amis? Comment ils vont? Salut Charlet. Et je remets le son. Let's go. Salut Yuki Play, comment ça va? Eh hey bébé, t'as pas un numéro? Ok alors, donne-moi ton numéro. Salut la petite ligne de couleur, comment ça va? Ça va très bien, elle c'est toi. Salut Cam Cam AI, comment ça va? AI comme Adobe Illustrator ou comme intelligence artificielle? Pour le chouchou, merci pour les 100 bits qui lancent le train de la hype. Merci, merci beaucoup Nitnerok pour le train de la hype. Salut Nikotu Design. Aïe, comme j'ai mal. Aïe. Très bien tout le monde. Salut Argenta, bien sûr. Illustrator, d'accord. Cam Cam, pro de l'Illustrator. Ça va et toi, Bassou? Ça va très bien, merci beaucoup. Avant que le train live se lance, je vous montre un petit peu le programme de la matinée pour ceux qui ont envie de faire un peu de lecture. Bon matin du Québec. Je m'en vais bientôt dormir, du coup, je te souhaite un bon stream. Merci Blight Design. N'hésite pas à laisser le stream pour te bercer, bien sûr. Bien sûr. Salut Shelko, comment ça va? Première fois sur le chat, Shelko. Bah écoute, bienvenue à toi. Je sais pas par où t'as découvert cette chaîne, mais bienvenue, n'hésite pas à suivre la chaîne avec le follow, n'hésite pas à t'abonner avec ton Prime, c'est gratuit, et n'hésite pas à me suivre sur YouTube, road de tous 100 000 abonnés bien sûr. Salut Antorig, bien bien, je commence le lundi en travaillant devant ton live, c'est une très bonne chose Yukiplay, c'est comme ça qu'on commence le lundi. Merci Else pour les commandes, j'espère que vous allez bien les amis, salut Jim Lucky. Est-ce que vous voulez faire le train live? Belle rentrée à toutes et tous bien sûr, ceux qui sont à l'école avec leur cartable bien sûr. Sous le préau, rangé A, rangé B, ceux qui sont ici dans les 6e E sont en cours en préfabriqué ce matin exceptionnellement. Donc vous allez au préfabriqué 2, juste derrière le préau, voilà. Moi aussi c'est la première fois sur le chat, puis j'ai été célébré bien sûr. Charlie, n'hésite pas à t'abonner pour te faire remarquer, bien sûr, avec ton Twitch turbo là. Des nouvelles de Defend, aucune nouvelle, enfin si des nouvelles, mais du coup le Defend il a toujours pas eu de réponse de Twitch. Voilà. Moi la rentrée c'est demain, aïe aïe aïe, salut Lolo le capitaine. Moi c'est demain, je suis au collège. C'est vrai? Ok, excellent, t'as raison. J'ai déjà lâché mon Prime, bravo Antorig. Mais t'as pas de... Ah, t'as lâché ton Prime chez quelqu'un d'autre, oui. J'ai eu des flashbacks, au secours, je vais encore me perdre. Attention. Rangé deux par deux les amis, sous le préau. Oh les Nautecos! Aïe aïe aïe, la team, les Nautecos ils arrivent. 287 belles personnes arrivent grâce à Nautech Team. Et j'ajoute à ça deux autres belles personnes nommées Jérôme et Guillaume. Merci Jérôme et Guillaume, j'espère que vous allez bien. Kiffez votre rentrée de stream, bien sûr vous faites clignoter 287 fois la banane. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Bastiui. Je fais des vidéos sur le design d'interface, le web, le graphisme en général. Je fais des lives tous les lundis matin, tous les mercredis après-midi et tous les vendredis matin. Et surtout, j'ai une chaîne YouTube, bien sûr, comme on dit dans le jargon, que j'essaye de faire monter jusqu'aux 100 000 abonnés pour pouvoir accrocher à mon magnifique mur ce cadre argenté, bien sûr. On est en plein train de la hype, les amis. On est en plein September, donc n'hésitez pas à alimenter le train de la hype qui est encore en route pour 2 minutes. Voilà, c'est mon nombre d'abonnés sur YouTube. N'hésitez pas à le faire monter. Encore merci Naotech pour le REM. Merci Tommy pour ton tier 1. C'est mon anniversaire, apparemment. Deux mois d'abonnement, petit anniversaire de moi. Donc voilà, merci Naotech, j'espère que vous allez bien. Et du coup, petite blague, Naotech ne stream plus le lundi matin, si j'ai bien compris, sous ma douche ce matin, parce que j'écoute Naotech nu, uniquement. Donc plus le lundi matin, voilà. Donc est-ce que ça vous dérange pas trop, Jérôme et Guillaume, si je renomme mon live le mug? Juste comme ça. C'est un mot du dictionnaire. Si j'écris le mug en guise de nom de stream, ça vous dérange pas, on est d'accord? Je ferai pas ça. Touchez Bastille le lundi, voilà, venez chez moi. On fera des actu tech. D'ailleurs, au programme ce matin, les amis.
De mon côté, on va regarder un plugin qui permet de rajouter du bruit sur vos images avec Figma. On va parler un peu de miniatures sur Photoshop. Et on va travailler pour un de mes clients où je dois terminer ce web design à la Minecraft. Donc on va faire du web design ensemble tout en discutant des actus, etc. Alors je vous rassure, il y a beaucoup plus de just chatting en amont que de programme. Mais voilà, c'est le petit prétexte pour être ensemble. Salut Grou Grou. Voilà, donc merci pour le raid Naotech. Il reste une minute de train de live. On en fait un rapide. Très rapide, Attention, sans transition. Au passage d'un train. Let's go. Les subs. On fait passer le train au niveau 2. Go. Attention, au passage d'un train. Allez, on balance un maximum d'émotes. Éloignez-vous de la Let's go. Ouais. Merci Bill Gates pour le follow. Je paye ma tournée de sandwich wagon 14. Passage d'un train. Vendeur du quai. Passage d'un train. Passage d'un train. Vendeur du quai. Passage d'un train. Il reste 10 secondes. Et merci Nitnerog pour les 140 bits. 6 secondes. Ouais. Attention, passage d'un train. Et le train rentre en gare, les amis. C'est terminé. Voilà, le train rentre en gare tranquillement. Merci beaucoup pour le train live, les amis. Merci Driz Panda qui arrive et qui loupe son train. Il a loupé le train, le boug. Merci pour les 11 mois. Et bien sûr, pour accueillir les viewers de la chaîne Naotech. Dis-moi, Hagrid. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu peux accueillir les gens de la chaîne Naotech qui viennent d'arriver sur mon stream? Je sais pas pourquoi je note sur mon carnet, ça ne sert à rien. Pour me donner un peu de constance. J'ai eu des hauts le cœur, le train allait un peu vite, il a démarré Bien sec. Bien sûr, mon cher ami. J'accueille toujours les nouveaux venus avec un grand sourire. Enfin, quand je suis capable d'en faire un. Bienvenue à tous les membres de la chaîne Naotech. Vous êtes tombé au bon endroit pour découvrir le monde merveilleux du design d'interface, avec une petite touche de sarcasme en prime. J'espère que vous êtes prêts à en prendre plein les yeux et à encaisser mes remarques piquantes. Allez, installez-vous confortablement et préparez-vous à être ébloui. Ah, écoute, j'ai jamais vu un truc aussi accurate de sa part. Merci Arca, comment tu vas? C'est le 51 le plus long à faire. Bravo Arca pour tes 42 mois d'abonnement. Merci beaucoup Arca, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Salut Asmoders, merci pour ton prime et tes 8 mois. Merci les amis. Quel message, c'était parfait en vrai. Je sais pas s'il y a encore des gens. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui viennent de Naotech qui sont encore là? N'hésitez pas à dire coucou dans le chat. Et à me dire si ce petit message de Hagrid voilà, était convenable. Coucou dans le chat, voilà. Salut Ziapin. Salut Flocon du 59. Oh, du 59. J'habite à Lille. Coucou le chat, salut les abonnés, les followers. Enfin, n'hésite pas à follow. Re, j'ai loupé quoi? Bah, le train de live à peu près. Coucou dans le chat de Toulouse. Ah, ça c'est la team de Guillaume, ça, les Toulousains. Toi, t'es un Guillaume Zouz, toi. T'es un slasher. Un Guillaume slasher. Toulouse ici, bien sûr. Lille, bien sûr, allez. D'ailleurs, c'est la braderie de Lille. Oh, j'ai vu que Gomard, elle a fait un live à la braderie de Lille, quoi. J'y étais, en plus, je me suis dit, ah, elle est juste dans la rue d'à côté. Voilà. J'ai passé une bonne braderie, oui. Merci beaucoup, Néo. Merci beaucoup. Alors, comme tout bon Lillois, la braderie, j'y vais en pointillé, parce que du coup, je vais pas dire en mode, oui, je l'ai déjà fait 20 fois, donc en vrai, on y va à la carte. J'y suis allé à 20h30 le samedi soir et le dimanche matin, voilà, tout simplement. Et c'est très cool, genre j'ai fait soirée dans les bars samedi soir, j'y suis allé en vélo et tout, c'était très très cool. Et le dimanche, bah en fait il y a plein de gens, des potes même à moi qui viennent de Paris, de Lyon et tout, donc on s'est revus, on a mangé au resto et tout ça de ça. Et on a battu le record du monde de la chenille avec le mec qui fait che. Est-ce que vous avez la rêve de ce mec? Franchement, on en a jamais parlé, je crois, ici. Mais en fait, il y a un jour, c'était sur Twitter, il y a un reportage qui est sorti sur un mec qui faisait des cours de chenille. Et je me rappelle, j'étais mort de rire. Je crois que c'était Niemezia qui avait répondu et je l'avais vu comme ça, je crois. Et en fait, je l'ai regardé plusieurs fois.
Et j'étais en mode, vas-y, attends, c'est Groland. Non, c'est quoi? Je cherchais un peu, tu sais, à reconnaître des acteurs ou un truc comme ça. Je me disais, mais c'est une parodie, c'est obligé, quoi. C'est obligé que ce soit une parodie. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Je vous jure. Et du coup, ce mec, c'est un... Ah voilà, j'ai trouvé. Dailymotion, parfait. Je vous jure que c'est lunaire. Attendez. Pause, pause. On peut pas mettre pause sur Dailymotion. Mais je suis mordu, on peut pas mettre pause sur Dailymotion, y a pas le bouton pause. Alors, y a pas de bouton pause sur Dailymotion, je m'excuse tout de suite pour ça. Je sais pas pourquoi, le player n'a pas de bouton pause. Eh ben écoutez, on va faire avec, hein. Je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, pour vous donner un peu le contexte, quand je l'avais vu la première fois... Y a pas de bouton pause. Ah, il est là. Quand je l'avais vu la première fois, je croyais que c'était une parodie. Et notamment, le fait qu'il y ait des gens ici qui participent avec lui et qui soient premier degré. C'est-à-dire qu'ils sont pas en mode... c'est des jeunes et tout. Ils sont en mode, ouais, je fais de la chenille essentiellement pour me détendre après le travail et tout. Vous allez voir, c'est lunaire. Je n'ai même pas de react à ajouter. Juste regardez. Vous allez voir que c'est lunaire. Juste in the moon. Personne n'est indifférent à la chenille, c'est un patrimoine national. Que ce soit au premier, deuxième, troisième degré, on passe toujours un bon moment. Casquette ! Casquette ! Depuis peu, je suis prof de chenille, donc je suis chenilliste et j'ai ouvert... Donc ce mec-là, le chenilliste, déjà j'ai vu ce reportage la première fois sur BFMT, je croyais que c'était une parodie. Et donc ce mec était à la braderie de Lille pour battre le record. En fait, il va dans toutes les villes et dans tous les événements de France pour battre les records de chenille. Bah j'ai vu sur Twitter, grougrou. Et ce qui me fait rire, c'est pas qu'ils... En fait, ce qui me fait rire, c'est pas qu'ils font de la chenille. C'est qu'il a des termes qui n'ont rien à... Enfin, qui sont beaucoup trop élaborés pour juste se tenir par les épaules, tu vois. Genre, vous allez voir, il sort des termes techniques comme si c'était... Enfin bref, vous allez voir. Donc je suis chenilliste et j'ai ouvert l'école, la Chenille School Academy. Et tous les mardis à 19h, je donne des cours de chenille, alors pas de la... De la chenille comme dans les mariages, c'est de la chenille synchronisée. Che che che, che che che, che che che, che che che, dollar. Justement parce que la chenille c'est assez basique. Et là on a beaucoup de pas différents, on annonce des pas un peu comme vous voyez la natation synchronisée. Et ben là on est en harmonie, on danse tous ensemble. Bon pour l'instant en tant que professeur je suis très souvent tête de chenille. Mais chenille, voilà, on passe sûr. Aussi le flambeau. On fait des chorégraphies les plus ambitieuses possibles. Moi, j'ai toujours été un passionné de chenille. J'ai toujours dansé. Et je me suis jamais retrouvé vraiment dans les autres danses comme le Madison ou la Macarena. Et moi, j'aimais beaucoup ça parce qu'au moins, il y a du contact. Pour l'instant, c'est un aboutissement. Mais comme je veux que maintenant, la chenille, bah, ça devienne un sport olympique. Alors, peut-être pas pour pas. Olympique. Mais en vrai, je sais pas trop quoi en penser. Vous en pensez quoi? Che. Casquette, che. C'est fou en vrai, c'est fou. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y ait trop d'adeptes, quoi. Che. C'est full troll, bah ouais, bien sûr. Mais du coup, vous allez voir que c'est pas full troll. Il est dans toutes les villes pour faire ça, comment dirais-je. Ça, c'est record de chenille. Hein. Paris 2024. C'est génial. Et j'aimerais bien que... C'est trop drôle. Oh, j'avais pas vu le mec, il est en sueur du dos, lui. Vous avez vu? Comment il sue de la chenille, lui. Mais c'est vrai que sa tenue et tout, ça paraît être trop lesque. Une discipline, une danse sportive qui pourrait se danser dans le monde entier. Et une chenille et autour du cou, vous avez vu? Il a une chenille, là, j'avais pas vu. En vrai, c'est trop élaboré pour que ce soit un vrai truc, je sais pas. Il y a une chenille, là. Lundi, judo. Attendez, est-ce que c'est vrai tous les mardis? C'est pas vrai! Il a menti! Tous les mardis soirs à 19h. Ah non, c'est 17h. Peut-être qu'il y a la chenille. La bande à Basile, la chenille. Il y a plein de DVD de chenille et tout. Lundi, Atrium. J'enquête, voir si c'est un troll ou pas. Piano à 14h. Ok, on continue. Échauffement. Oui, il y en a qui sont en chemise, j'avoue. Souple, ferme, parce qu'il faut avoir le poignet souple et la main ferme. Souple, souple, ferme. Je vous entends pas. Souple, souple, ferme. Ça, c'est essentiel, c'est parce que briser une chenille, c'est éliminatoire. Qui se dévoue? C'est moi. C'est pas possible, le mec, il fait ça pour faire du buzz, on est d'accord, non? Je sais, non, mais c'est normal. Après, on l'excuse, mais ça, c'est éliminatoire en compétition, mon gars.
Bon, on a frôlé la cata. On s'échauffe en donnant des noms de passe. Et puis ensuite, on met au point une chorégraphie sur une musique assez moderne. Et voilà. Il est aussi acteur, ça explique tout. Ouais. Et on essaie toujours d'améliorer la chorégraphie. Je me dépense beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je transpire. Ça paraît trop intense. Fake, ça. Ça demande beaucoup d'investissement, mais voilà, moi, ça m'a changé mon année. On est tous soudés, on est tous heureux de se retrouver. C'est un plaisir hebdomadaire. C'est le seul sport que je connaisse qui soit aussi solidaire. Il y a un esprit d'équipe et en même temps, il faut être individuellement très exigeant sur les pas. Ça paraît trop fake. Donc, c'est ce que j'aime bien, c'est l'exigence personnelle, mais en même temps... Alors, vous dites que c'est du troll, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce troll, c'est que le mec passe sur BFM, il est, on va dire, il est exprès, il est un peu foufou et un peu comme ça, troll. Mais du coup, comme t'oses pas face à lui dire tu te fous de ma gueule, bah du coup, ça passe pour un truc vrai, ça passe sur BFM. Et du coup, le mec fait son buzz et fait sa pub de fou, quoi. Bien sûr, on va aller voir leur site après. Chenille School Academy, on va aller voir. Et du coup, le mec bat des records de chenille, voilà. Temps, la cohésion des est-ce qu'il le fait pour rigoler ou est-ce qu'il le fait sérieusement? On saura jamais, quoi. C'est vraiment une vraie sens de sport divertissante et en même temps très, ouais, très drôle. Regarde comment il regarde la cam, c'est pas possible, c'est un troll. C'est lui qui était devant à Lille, bien sûr. Bah bien sûr que c'était lui qui était devant à Lille. C'est lui la tête de chenille, regardez-le. Il regarde la cam et tout, c'est forcément il troll. Il troll de fou. Please, un challenge web design sur la Chenille School Academy. Ah, ça peut être pas mal. Ils sont tellement... Il y a bien un dev full stack pour le site. Attendez, on va voir. Avec un effet chenille au scroll, ok. Et donc, il a battu le record à la braderie de la plus grande chenille. Très drôle et sportive, ouais, j'adore. Backside ! Backside ! C'est pas possible, c'est du troll. Vincent a participé au record du monde de la chenille à l'Armada de Rouen. Ça, c'est son dernier record cette année. Et là, il l'a battu. Bien évidemment. Et le pire, c'est que j'étais à l'Armada de Rouen en plus. C'est une catastrophe, j'y étais en plus. J'y étais cette année, juste avant de partir à San Francisco. Vraiment que j'y étais, j'étais même tête de chenille. Donc je suis venu pour, dans la journée, donner des cours de chenille synchronisée. Et le soir, nous avons battu le record du monde qui était de 1338, je crois. Et nous avons fait 3940. Je suis recordman du monde de chenille. J'ai beaucoup contribué. Donc Vincent et un troisième ami, donc oui, j'ai posé un jour pour aller battre le record à Rouen. Puis j'en suis fier, ma famille aussi, et c'était un grand moment. Personne n'est indifférent à la chenille. En fait, ces gens, ils ont l'air trop d'être dans l'audiovisuel, tu vois. Tous les gens là qui sont là, ils ont l'air trop d'être des acteurs du théâtre ou des gens de la télé. C'est trop bizarre, tu vois. Ça paraît pas être des gens qui font de la chenille, tu vois. Et le gars a l'air trop, désolé, mais a l'air trop normal pour sortir une dinguerie comme ça. Ma famille en est fière et tout, c'est bizarre. Ah lui, ils sont dit, ouais, c'est ok. On va enquêter. National, que ce soit au on premier, va débunker, deuxième, ouais. Troisième degré, on passe toujours un bon moment ou au moment où on fait la chenille parce qu'il n'y a pas besoin de savoir danser. C'est là où on se mélange aux autres, où on peut se toucher. Tout le monde a les compétences et c'est juste un moment de communion et de joie entre les êtres humains. Donc ça a de belles valeurs et en même temps, bah, voilà, tout le monde s'éclate, quoi, que ce soit premier, deuxième, troisième degré, on s'en fout. Quoi. Swimming pool en che. C'est celui-là qui m'avait tué, je pense. Swimming pool, swimming pool, swimming pool en che. Je crois que c'est celui-là qui m'avait le plus explosé. Un peu comme le yoga du rire. Ah, je sais pas en vrai, je pense que c'est, ouais, je sais pas. Deuxième division swimming pool. Non, bah voilà, tout le monde s'éclate, quoi. Que ce soit premier, deuxième, troisième degré, on s'en fout, quoi. Swimming pool en che. Swimming pool en che. Rigole, légendaire. Swimming pool en che. Swimming pool en che. Voilà. Ils arrivent même. Le pire, c'est qu'ils arrivent même pas à suivre son truc de swimming pool. On voit que c'est des impros un peu, je sais pas, c'est bizarre, vous trouvez pas? On sent qu'ils improvisent un peu, quoi. L'interviewé juste avant, il y avait son nom, Marie Reynaud, qui est humoriste. Ouais, mais c'est ça. Merci pour ton enquête, Jarl Leif. En effet, vous avez raison, je pense que c'est des gens qui maîtrisent assez bien l'humour et la communication. Et du coup, c'est des acteurs humoristes qui sont lancés dans ça. Mais ils font leur petit buzz, en vrai, c'est marrant. C'est très très marrant. Chenille School Academy, bien sûr. Même la cam, elle tremble. Imagine, ta boîte te sort un team building avec lui. En vrai, ça peut être marrant parce que... Si le but du jeu c'est de se marrer, tu vois, je sais pas, ça peut être très rigolo. Oula. Alors, Chenille School Academy, cours de chenille synchronisée.
On part en nuit review ou pas? Alors ça c'est très bien mais il manquerait... Ouais. Oula. Allez plus bas. En savoir plus, suivez-nous sur Instagram bien sûr. On commence par Instagram. Swimming pool, 20 000 abonnés. Avec bien sûr le contenu en haut. Ah voilà, à Lille, la braderie de Lille. Non, c'est à Paris ça. Non, Lille. Regardez, il y a quand même un truc. Hein, y a quand même un truc. Il s'est poussé sa moustache d'ailleurs. Ah la dinguerie, c'est un truc de fou. Portrait sur la chaîne TV du Figaro. Ah ouais, il était passé sur plein de télé le gars. Les trucs de ouais. Prenez votre licence. Bah, je prends ma licence. Swimming pool en che. Quoi? Chenille School Academy. Chenilliste, première année, équipe senior. What the fuck? Je prends une licence et je fais un don de 20 euros. Hello Asso est une entreprise sociale et solidaire qui fait gratuitement de ces technologies de paiement à l'organisme Chenille School Academy. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ici le Dazan, ouais. Exactement. Exactement. Vas-y, on va savoir plus. École de danse spécialisée en cours de chenilles synchronisées. Une association qui propose de lancer la chenille en France. On a son fondeur, le Happy. Ok. Ah, ils ont. Ah, il y a Artus. Artus, il est parrain. Oui, oh Artus. Ça va? Ouais. Il me remet pas. La pique. La chenille, on arrête pas de... Ok, bon, on va pas tout regarder. Ok. Eh, ils ont taffé le truc, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les actus de l'académie. Oups, page introuvable. Très bien. Très bien. Bon, écoutez, je sais pas trop quoi en tirer de ce site, hein. On sait pas trop ce qu'ils veulent faire avec ça, hein. C'est quoi le sujet? C'est la che-che-che, quoi. Hein. Che-che-che, en che-che-che. Bref, voilà, vous avez la ref. Et du coup, braderie de Lille, record chenille. Ceci dit, le mec se fait des petits Guinness Book record grâce à ça. Hein. Ah ouais, carrément. Voilà, donc le record de la plus grande chenille a été battu à la braderie de Lille. Voilà, petite fierté, bien sûr. Fierté, bien sûr. J'étais pas à la chenille. Mais c'était fou le truc. L'ambiance de Beaufry est incroyable. Oh merde. N'hésitez pas à me signaler si vous voyez un de vos amis ici, bien sûr. Évidemment, n'hésitez pas à le signaler. Je vais faire bannir avec toutes les musiques. Je pense que ça dure pas assez longtemps les extraits. Ah dommage, y a pas l'interview du gars. Du gars en che. Bah alors, je peux pas faire bac. Où se garer à la braderie de Lille, bien sûr. Ok. Les news. Salut Orangic Mess. Bien sûr, le Huffington Post, bien sûr, hyper important. Brad Ridley, le record de la chenille la plus longue, était battu, bien sûr. Je veux voir le mec, moi. Je veux voir la tête de chenille, moi. Ah, il est là. Chenilleur. Et le pire, c'est qu'ils avaient entassé les gens. Genre en serpentin comme ça, ils étaient tout collés les pauvres. Même Hugo Décrypte en a parlé, ah ouais? Vous étiez plus de 6 000, les gars.
On va lui faire l'accent, le gars. On va les faire chanter un petit coup et puis holo. Et ben voilà. Fierté de Lille, bien sûr. Bon. Pourquoi on parlait de ça? Salut, Lodi Raptor. Écoutez, donc merci pour le raid Naotech. Merci à tous et toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour votre lundi matin de rentrée. Salut tout le monde. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est en route pour les 100 000 abonnés. Sozega est rentré de vacances. Donc la vidéo YouTube va bientôt arriver. Voilà. Elle est prête. J'espère que j'ai bien fait tous les retours et tous les bérolles, tous les plans de coupe, comme on dit dans le jargon. Ça se rapproche les 100 000, on espère. Il a bossé tout le week-end et hier il était colère. Sozega est souvent colère malheureusement. Prenez votre petit café et parlons du point d'exclamation Figma si vous le souhaitez. Je vous mets juste ici la petite... Ah, je l'ai pas posté. Bon, on va le poster quand même. Salut Skel, comment tu vas? Putain, ça fait longtemps Skel. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, bien sûr. Plugin Noise, miniature sur Photoshop, design du site web Cubes. Écoutez... Cliquez sans plus attendre, bien sûr. Voilà. Écoutez, je publie ça, histoire 2. Voilà. Bastifer dans le chat, évidemment. Il y a Justin derrière. Ah oui, mais il y a plein de Justin. Il y en a un là. Il y en a un là. Et il y en a un qui va sortir du coin de l'écran en quelques instants. Je compte sur vous. Ça va très bien, merci beaucoup. Tweet du live, merci. Else, juste la petite proc de la semaine, les amis. Putain, ma carte graphique, elle fait des... Voilà, j'en étais sûr. J'ai une ficelle dans les yeux. J'ai comme un poil ou une ficelle ou un cheveu hyper long sur mes yeux. Lundi matin, on en a parlé. Alors, mercredi, un petit peu spécial le mercredi après-midi. Et sinon, vendredi matin, avec un retour de design du Maître des Fleurs. Voilà, pour votre plus grand plaisir. Live lundi matin, mercredi après, mais vendredi matin. Et en ce qui concerne mercredi, alors, des nouvelles de Defend Intelligence qui a été banni de Twitch pour la raison suivante. Il a laissé tourner une IA pendant 72 heures sur sa chaîne pour une expérience de son travail, de son métier, de générer de l'interaction avec le chat Twitch et une IA, qui était une IA de Macron notamment. Son IA a été, on va dire, piégée par un viewer qui lui a fait dire des choses qui sont bannissables. Et il a été signalé et banni. Il a fait appel et malheureusement, l'appel n'a toujours pas eu de réponse. Ce qui est plutôt mauvais signe, on va pas se mentir. Et j'envoie tout mon soutien à Defend sans blague en plus parce que c'est horrible. Voilà. Ensuite, pourquoi il n'y a pas de Unmute Show le mercredi soir? Ça n'a rien à voir avec le ban de Defend. C'est juste que Hardisk a une OPSP. Je suis pas sûr que ce soit une OPSP. Il a un rendez-vous à l'extérieur, je crois, pour un tournage. Enfin bref, il est pas là. Et moi aussi, en fait, j'ai aussi un rendez-vous mercredi. Donc ça tombe bien, on a juste annulé le Unmute Show. Parce que Defend n'est toujours pas régularisé. Hardisk, de toute façon, n'est pas là. Et moi non plus. Voilà. Donc, pas de Unmute Show. Petite grève du Unmute Show en attendant. Voilà. Ce qui fait que, regardez bien, on va démarrer à 12h30. Voilà, on va démarrer à 12h30. On va terminer dans l'après-midi, je sais pas quand, mais on va démarrer plus tôt afin de faire les 8 reviews. Voilà. Avec la nouvelle formule des UI Review que vous pouvez... on peut regarder en faisant point d'exclamation UI Review dans le chat, je crois. On a changé la formule. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais vous montrer ça. Écoutez bien. Les UI Review, ce qui se passe, c'est que je n'ai plus le temps de le faire le lundi soir. Pourquoi? Parce que je stream plus le lundi soir. J'ai décidé de streamer le lundi matin. Pourquoi? Parce que c'est le moment qui me plaît le plus au niveau du stream. Donc je stream lundi matin, mercredi soir et vendredi matin. Et du coup, j'avais plus trop de créneaux pour les UI reviews. Parce qu'en fait, les UI reviews du lundi soir, ce qui était bien, c'est que personne n'était au travail. Et donc, j'ai décidé de couper le formulaire des UI reviews. Et de plus les programmer avec un planning, etc. Et que ce soit des UI reviews un peu plus sauvages. Et qu'on paye des points de chaîne. Au moment où j'ouvre les points de chaîne, je dis ok, UI review pendant un quart d'heure. Et vous balancez vos UI review. Donc priorité aux gens qui sont sur le live. Voilà, donc vous avez compris, il y aura plus un créneau le soir avec un formulaire. Les UI review, ça se passera tout simplement en fonction de quand je mets les petits yeux. Et il y aura un système de messages en avant à mettre. Et je ferai les UI review des gens présents dans le chat. Voilà. Et du coup, plus de live le lundi soir non plus. Ban temporaire de Defend, why not? Bah oui, mais bon, voilà, après, c'est Twitch, hein. On n'a pas la main.
Et on est tous d'accord qu'on aimerait que ça s'arrête. On est tous d'accord. Il n'y a même pas à débattre, on est tous d'accord. Voilà. Ok, donc voilà, salut Clément, salut Nicorion. Donc faites attention, on démarrera le midi. Parce que du coup, on n'a pas le mutual le soir. Voilà pour la petite programmation. Ouais, ouais, j'ai un cheveu ou un poil qui pend de là et du coup, je le vois dans ma vision des fois. Bref, voilà. Et on va terminer tranquillement avec le point d'exclamation Figma. Le point d'exclamation Figma. Alors, pourquoi il y a un point d'exclamation Figma? Écoutez, parlons-en si vous voulez. Voilà, parlons-en un petit peu. Point d'exclamation Figma. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, bonjour toi. En vrai, comme j'ai essuyé les plâtres avec cette nouvelle version, il faudra me faire moitié prix sur les points de chaîne. Pourquoi Clément? Et t'es pas bien? Ah oui, si vous passez pas, vos points de chaîne sont remboursés, bien sûr. Donc, point d'exclamation Figma. Découvrir Figma en soutenant ma chaîne. On clique. Et on arrive sur la page de Figma. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez bien... quand vous analysez un peu, quand voilà, on clique sur le lien, vous avez effectivement ici affiliate, source partner, campaign égale Bastien Marico 3214. Voilà. Donc tout ça veut dire que j'ai un lien affilié Figma. Alors, je vais pas trop m'exprimer dessus parce qu'en fait, les interlocuteurs, mon agent et tout sont en vacances. Donc j'ai pas encore vu exactement le contrat derrière ça. Sachez juste que je peux gagner un petit peu d'argent. Voilà. Un petit peu d'argent si vous passez par ce lien d'affiliation. Je dis bien un petit peu d'argent car ce sera jamais comparable avec, une sponsorisation comme j'ai pu avoir, je sais pas, à San Francisco ou autre. Mais c'est mieux que rien. C'est un programme d'affiliation qui n'est pas ouvert à tous, qu'ils ont ouvert à juste certains influenceurs Figma. Donc, si vous souhaitez vous rendre et vous inscrire à Figma, eh bien, s'il vous plaît, passez par ce lien. Voilà. Le but du jeu, c'est que moi, étant donné que je parle déjà de Figma tout le temps, je suis un petit peu bloqué. C'est-à-dire que effectivement, j'en parle déjà, donc dans tous les cas, je vais en parler. Donc passer par ce lien. Il y a juste un truc qu'il faut que je check. C'est qu'en fait j'ai le choix entre deux liens. Figma professionnel. En fait je peux faire un lien vers la page d'accueil de Figma classique. Donc la page grand public ou la page professionnelle. J'ai deux liens à disposition quoi. Et le truc c'est que je sais pas exactement lequel est le plus judicieux à mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en vrai, si vous voulez me soutenir, cliquez sur ce lien tous les jours, en vrai blague à part. Hein. En vrai blague à part. Là, je recevoir un mail de Figma. Your Figma link is seeing some activities. Apporter du trafic à votre lien, c'est la première étape pour gagner de l'argent. Voilà. Voilà, voilà. Et puis donne des conseils pour le partager. Donc en vrai, du coup, voilà, si vous voulez me soutenir, après, j'ai pas d'autres choses à vous dire là-dessus. Je sais même pas combien de centimes je gagne par clic. En fait, je sais même pas si c'est au clic ou à l'inscription. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous donner je vous donnerai plus d'infos bientôt. Est-ce qu'on peut se désabonner de Figma et se réabonner avec ton lien? Je te donne des infos bientôt. Mon agent est pas encore rentré de vacances et je te dirai du coup, d'accord? Je regarde un peu mes mails, mais c'est pas vraiment explicite. Par contre, j'ai effectivement deux liens différents. Et ça, je sais pas. Hop, j'ai aussi celui-là. En gros, j'ai aussi celui-là qui ramène vers la page d'accueil de Figma. Donc, je sais pas trop. Donc, en effet, utilisez le lien. Et je regarderai après le live sur mon... Comment dirais-je? Ah, je peux regarder peut-être sur mon... Ça s'appelle comment le truc déjà? Alors, Sony, tu peux écrire à Figma et te répondront jamais. Hein. Ils ont dû le donner le truc à 3 personnes, je crois. C'est une bêta. C'est quoi déjà le site? J'ai un dashboard hein, que je vous montrerai pas bien sûr. Merci Ivicom. Merci beaucoup Ivicom pour ton 19e mois de Prime. Les amis, n'hésitez pas à lâcher votre Prime, c'est gratuit pour me soutenir bien sûr.
Et pour payer, c'est le September. Pas le truc que je t'ai envoyé en MP. Ah! Hein? Quoi? Comment ça? On en reparlera après, Sony. J'ai pas compris, je crois. Laissez-moi juste voir. Comment s'appelle le site? Mon dashboard. Je regarde mon dashboard en douce, les amis, et je vous dis si j'ai des infos. Mais sinon, je vous en donnerai vite, d'accord? Partner. I'm logging in partner.figma. Ah, j'ai un message, tiens, c'est quoi ça? What news? Ok. Ok, en gros, c'est ce que j'ai reçu par mail. Ok, ils me disent c'est bien, continue comme ça. Est-ce que j'ai. Ah, une performance. 4 clics. 4 clics sur le lien. Et j'ai gagné 0$. Bah, n'hésitez pas comme ça à continuer. Hein. N'hésitez pas à continuer là-dessus, ça se passe plutôt bien. 0$. Donc là, on est bon sur les revenus. Non, en vrai, je pense que ça se met à jour avec un peu de délai. Donc, cliquez sur le lien. Je pense, honnêtement, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a des rewards différents. Juste un clic. Je pense que tu gagnes de l'argent différemment pour juste un clic. Pour juste un clic et une inscription. Et pour juste un clic et une inscription pro, je crois que je gagne beaucoup, là. Je gagne énormément sur l'inscription pro. Voilà. Voilà. Juste un clic, bien sûr, la nouvelle chaîne de Justin Buisson. Donc, en vrai, j'ai pas les chiffres. Et je sais même pas si j'ai le droit de vous les donner. Mais je pense que je gagne un tout petit peu sur le clic. Bienvenue chez Basti Hagrid. Bah, bienvenue Hagrid. Yeah. Wow. Par contre, ce que je me souviens de tête, c'est que si vous souscrivez à un Figma Pro, je gagne vraiment une somme qui n'est pas négligeable, par contre, là. Voilà. Je vais devenir multimilliardaire. Alors, oui et non, parce que ça fait déjà... on va dire 5 ans que je convertis beaucoup de monde à Figma. Et là, du coup, vous êtes tous convertis, donc ça arrive un peu tard, quoi. Bref, c'est une blague, évidemment. Mais bon, on va voir. Après, j'aime pas trop, alors je vous le dis tout de suite, j'aime pas trop les partenariats qui sont avec des sommes variables, dans le sens où au nombre de clics, tu gagnes une somme, tu vois, j'aime pas trop. Parce que ça incite beaucoup à se donner, à faire du blabla, à dire cliquer SVP et tout, j'aime moins. Mais c'est Figma, c'est très cool, c'est mon corps de cible et tout, donc je l'ai quand même accepté. Je pense pas en parler tous les 15 minutes, tu vois, mais sachez-le et qu'il y a le lien et si vous voulez m'aider, c'est comme ça qu'on fait. Quoi. Ouais, je pense Cam. En vrai, je pense Cam. On verra, Charlie. Faites-le pas, mais je vous dirai. Donc, il y a encore des âmes perdues sur XD. Bah, utilisez mon lien, point d'exclamation Figma. Voilà. Moi, j'utilise Photoshop. Bah, n'hésite pas à découvrir Figma, c'est gratuit, en fait. Figma, c'est gratuit, en fait. Tu peux faire jusqu'à une infinité de projets tout seul et jusqu'à 3 projets partagés. Et quelqu'un m'a demandé est-ce que c'était intéressant d'avoir la version pro. Oui, parce que t'as des features en plus et t'as des projets limités et tout, donc c'est très très sympa. Salut Falafouik, merci pour tes 14 mois. Hello, parfait, il fallait que je prenne un abonnement pro prochainement. Bah écoute, en vrai, tu régales. Hein. Donc pensez-y, pour l'instant, il est que en point d'exclamation Figma sur ma chaîne. Ce qui n'est pas fou, on va dire, pour l'accessibilité. Mais je vais réfléchir à comment le faire apparaître un peu plus d'endroits. Si vous avez des idées, d'ailleurs, les modérateurs Discord, est-ce que vous avez une idée pour le mettre quelque part sur le Discord, facile à trouver? Sur YouTube, est-ce que je le mets dans ma description? Je pense que je vais essayer de le mettre dans ma description, etc, etc. Faut que je travaille dessus. Mais c'est tout récent, quoi. J'utilise InDesign pour faire mes maquettes web. OMG. Mets-le dans ton bento web, bonne idée. J'aurais adoré t'aider, malheureusement, mon abonnement est géré automatiquement par Ubisoft. Bah, demande à Ubisoft de cliquer sur mon lien. Et là, genre, les 100 000... Non, j'abuse. Les 150 licences d'Ubisoft, elles passent par mon lien, quoi. J'ai 56 ans. Excellent. Il y a moyen de faire des annonces Wizbot périodiques. Tout à fait, on pourra faire ça aussi. Salut Aurore. Salut Aurore. Qu'est-ce qu'elle dit celle-ci? Elle dit bonjour. Bah écoute, bonjour. Bonjour, bonjour. Bref, donc je suis dans un programme partenaire bêta de Figma. On va pas se plaindre, c'est cool.
bien que je n'aime pas nécessairement les variables comme ça, mais c'est très très cool. Donc voilà. Donc ce matin, dans la matinée Étienne, nous allons faire plusieurs choses, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va parler d'un petit plugin en guise de petite actu, on va faire une petite miniature sur Photoshop. Et on va designer le site de Cubes ce matin. J'espère que vous êtes bien installés. On va démarrer tranquillement. Voilà, voilà. Et puis après, cet après-midi, il faut que je bosse sur les vidéos YouTube. En ça. Voilà. Et merci. Abonnez-vous, les amis. C'est September. Et n'hésitez pas à faire monter le sub goal. Et salut, Artisk. Voilà. Salut, Théo Tré. Salut à toutes et tous. J'ai giga chaud, par contre. Est-ce que je mets mon ventilateur? GG à toi. T'as une sorte d'obligation de résultat. Non, aucun. Aucun. La bêta, elle est pas à mon niveau à moi. Elle est au niveau de Figma qui teste ça, en fait. Mais c'est la première fois que Figma font des trucs comme ça. No, j'ai aucune obligation. J'ai aucune obligation. Si jamais il y a le GP Explorer qui a lancé une app sur l'event. Peut-être un sujet intéressant arrive dans l'actu de la semaine. Merci de m'avoir décoincé, Roromix. Ça va pas du tout. Est-ce que tu appréhendes le GP? Bah, adieu les filles, quoi. Trop d'énergie. Mais en fait, j'attendais que la voix, elle dise vous êtes arrivé chez Squeezie, mais ça a pas marché. La question est arrivée pile poil en même temps que la téléportation, c'est assez fou. Tu utilises quel plugin pour exporter au format WebP? WebP? WebM? Bah, tu tapes WebM plugin Premiere Pro, et c'en est un officiel, mais tu vas me dire... WebM Premiere Pro. Tu vas me dire c'est une dinguerie parce que regarde, quand tu vas sur ça, le plugin officiel, il est sur un site, il a une odeur particulière. Déjà il y a le logo de Premiere Pro de, on va dire d'une, oh, c'est pas le bon site. En tout cas c'est une dinguerie. Tu le trouves sur des sites mais c'est une dinguerie quoi. C'est un plugin quoi. Je sais... WebM Premiere Pro plugin. Ah, c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est ça, le site, c'est ça. Voilà. Le site, c'est celui-là. Je vous jure, c'est comme ça que je l'ai installé. C'est le site le plus safe, c'est celui-là. Voilà. Donc, vous l'installez. WebM, c'est des vidéos transparentes. Beaucoup plus compressées que des points MOV. Les WebP pour les images, je sais pas, mais ça doit être à peu près pareil. Je pense que quand t'installes celui-là, t'as les deux. Je pense que quand t'installes celui-là, t'as les deux, mais je suis pas sûr en vrai. Aucune idée par contre, là, WebP, j'ai jamais fait. Voilà. WebM et WebP, en gros, c'est juste des nouveaux formats qui sont plus optimisés pour le web. Le WebM, ça fait des vidéos transparentes hyper légères, mais vraiment, c'est une dinguerie. Avec du son d'ailleurs. Et c'est comme ça que je fais mes alertes. Genre, ça, c'est du web. Internet ! Ça, c'est du WebM, tu vois. C'est hyper léger. C'est hyper léger et c'est trop bien quoi. Et aussi sur Sulico, alors je crois qu'ils l'ont enlevé maintenant. Mais on avait fait un header. Ils l'ont enlevé, mais on avait fait un header animé en WebM quoi. Ils l'ont enlevé parce que c'était plus la bêta. Bref, on va quitter Squeezie. Comme on dit dans le jargon. Bug. Voilà. Coincé en mode Squeezie. Oh, le clip il doit être bizarre, attends. Merde, je l'ai ouvert derrière. Pas du tout. Bon, on va laisser ça tourner en boucle derrière, je pense. On va laisser ce clip derrière, je pense qu'il est pas mal. Merci, merci Small Beetle. Regardez. Il va tourner en boucle. Ça va marcher. Merci Jean Lama d'avoir caché mon bouton. Ça fait chier. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles de fou. J'ai trop chaud par contre les amis.
entendez le tracking des sourcils. Oh my god! Oh non! Pas ça! Hey, salut tout le monde! Ouais! C'est eux! Bonjour à tous, est-ce que vous voulez la chanson? Ouais, ouais, ouais! Zelda, c'est la fille, soit t'es Link. Bah non, Zelda, c'est le chevalier. C'est le chevalier, les Zelda. Pourquoi je suis essoufflé comme ça? Ah oui, je disais qu'il faisait trop chaud. C'était ça, le truc. Écoutez, on va commencer par les actus. On va faire une petite pause café. Je vous propose de faire un mini-jeu en attendant. Je vais installer un petit ventilo, là. Je vais fermer un peu les volets pour le soleil qui tape. Zelda, c'est la princesse. Non, Zelda, c'est le chevalier d'Hyrule. Le jeu, il s'appelle Zelda, à votre avis, pourquoi? Bref. on va faire un petit jeu. Vous allez faire un choix. Je vais fermer la fenêtre, chercher un café. Et on démarre avec le plugin Figma, la miniature Photoshop et le design pour le client. C'est parti. Attendez voir. On va voir si ça marche. Ça fait longtemps que j'ai pas testé. Hop là. Merde. Ah! Attendez, attendez, c'est pas bon. Mais c'est son sponsor, putain, il y a son sponsor. Je suis mort. Il y a son sponsor à l'écran. C'est nul ça, changer. On va changer, c'est nul ça. C'est nul ça. On a déjà fait ça. Attendez, attendez, attendez. C'est nul ça. En fait, faudrait qu'on code, faudrait qu'on fasse les trucs de designer. Hein. C'est nul ça. C'est nul ça. Faudrait que je le fasse mon propre jeu. Hein. Ça, on l'a déjà fait aussi. Oh, Benjamin, t'as pas fait beaucoup de trucs. Hein. Ouais, c'est bon ça, c'est marrant ça. Allez, c'est parti. ZQSD, les amis. Let's go. Le sondage, Zelda, chevalier ou princesse. Ah, j'aurais dû faire ça. Ok, je vais chercher mon café, tout ça. Hein. Soyez sages, hein, bien sûr. Bien sûr.
tiens, tiens, comme par hasard, a new side project. Bravo à tous. Bah, n'hésite pas à démarrer un new side project alors. Hop là. Je suis là, re. Re, vous pouvez arrêter de faire des ZQSD. On va faire évoluer ce truc un jour. On va faire évoluer ce truc. Faudrait que. J'ai une idée, tiens. Est-ce qu'on pourrait pas créer un channel Discord? Alors, je vais le créer. Mais non, je vais pas le créer, sinon j'ai oublié de le modérer. Mais ce. Je sais pas qui est-ce qui a le droit de créer un channel Discord dans les. Dans les modos. En gros, l'idée serait de faire un channel qui s'appelle Choix de Designer. Choix de Designer, d'accord. Je pourrais en mettre 4. Ouais, je pourrais même en mettre 4, mais souvent c'est plus marrant que c'est binaire. Et du coup, juste faire un channel Choix de Designer dans, je sais pas moi, dans le bureau de Basti, je pense. Et l'idée, ce serait de dire donner des idées de choix. Choix 1, choix 2, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est choix de dev de Benjamin Code. Du coup, n'hésitez pas à proposer des idées, parce que du coup, choix de designer, UXUI, ouais, par exemple, c'est bah, Lunat, propose-le dans le channel Discord. Putain de merde, Lunat, là, tu le proposes pas dans le bon channel, du coup, on va perdre ton message, tu montres le mauvais exemple. Des idées de versus, ouais, voilà. Parce qu'en fait, là, j'ai mis le truc de Benjamin Code pour tester, mais on pourrait faire le propre, notre propre. Il y en a pas. Ouais, mais ouais. Mais elle, il est lent en ce moment. Non, je rigole. Bref. Donc, on va aller, on pourra faire ça. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce stream. Petites actus du design. Ça fait longtemps qu'on a pas mis le générique en plus. C'est parti. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus. De base, tu. Salut, c'est Bastu, bien sûr, on va passer dans les actus de Bastu. Et pour se mettre en jambe, une petite, un petit plugin Figma. Une fois n'est pas coutume, on en fait pas mal. Un plugin qui s'appelle Noise and Texture. Voilà, donc qu'est-ce que c'est Noise and Texture? C'est encore un plugin de Roji King, très connu, qui permet d'appliquer différentes choses à des, enfin différentes textures à des éléments sur Figma. Voilà, donc on a effectivement des textures, des noise, des bruits. On a des gradients également qui permettent de faire des gradients un peu fous. Voilà. Donc ça se trouve ici. Je vous le mets directement en lien. Plugin Noise and Texture by Roji. Je crois que c'est 2G. Roji. Un seul G. Juste ici. Voilà. Vous pouvez l'installer. On va le tester rapidement pour vous montrer à quoi ça sert. Et il y a Squeezie derrière toi. Ouais, je sais. Il est en train de pâter un câble. Bah si derrière il existe des couteaux, exactement. C'est fou comment Figma devient de plus en plus comme Photoshop Illustrator. Alors pour t'expliquer, sac à dos, en fait il devient pas forcément de plus en plus comme Illustrator ou Photoshop, c'est juste que, étant donné qu'il est gratuit, étant donné qu'il s'ouvre sur n'importe quel ordinateur, puisqu'il s'ouvre dans n'importe quel navigateur web, évidemment des gens l'utilisent pour ne pas payer de licence Adobe qui coûte assez cher, et donc des personnes développent des plugins. Ça reste des plugins qui donneront une expérience beaucoup moins poussée qu'un logiciel dédié, mais qui peuvent sauver dans quelques cas un petit peu extrême. Donc là, je l'installe sur mon Figma. Donc j'ai mis le plugin Noise and Texture. On va le sauver comme ça, voilà, okay, avec le petit bookmark. Et on va aller dans Figma et on va tester ça tout de suite. Donc, prenons une circle. On fait Noise and Texture. Et on a du coup une petite fenêtre qui va s'ouvrir comme ceci, qui va permettre d'ajouter de la texture à ma forme. Alors, je choisis ma texture. Ici, je la paramètre dans le petit, la petite fenêtre juste au-dessus. Donc, on a des gouttes d'huile, on a du blur, on a des choses un peu plus différentes. Et à chaque fois, on a des sliders qui permettent de gérer un peu les paramètres. Donc, la taille du grain, la quantité de grain, le vignettage du grain. Qui peut être très pratique pour faire une 3D, par exemple sur une sphère, d'avoir un vignettage, genre tiens je vais le laisser. La rotation, la forme du grain, des triangles, des ronds, des carrés, l'opacité, la couleur du grain et le blend mode du grain, mettons overlay par exemple. Je l'ajoute au layer et ce que ça fait, c'est que ça rajoute ici un nouveau fil directement sur mon objet. Et donc là, il faut que je mette une couleur un peu plus foncée.
On se rend compte que mon grain n'était pas du tout assez fort. Donc on va peut-être un peu checker ça. Je sais pas trop ce que j'ai foutu. Mais voilà. Hop. Ah, je peux plus l'ajouter là. Pourquoi je peux plus l'ajouter? Ah, parce qu'il est encore là, c'est ça? Voilà. Non, je peux pas l'ajouter au layer deux fois. Ah, c'est ici, il faut faire edit. Ok. Quand on l'a déjà ajouté, il faut passer par le panel edit, bien sûr. Et donc ça edit directement sur l'objet. Je crois que mon overlay, il fait un truc bizarre. Pourquoi on le voit pas? Alors là, je sais pas ce que j'ai foutu. On va recommencer. Ah là, c'est réussi, bon, j'ai réussi. J'avais mis trop de vignettage, les amis. Il était devenu minuscule. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Et donc en vrai c'est très pratique, ça permet de faire des petits effets un peu plus poussés sans passer par un logiciel externe en copiant-collant des textures. Là on a vraiment l'objet directement ici. Et après on peut faire les petits réglages d'opacité directement là. En fait c'est l'overlay, en fait on voit pas beaucoup en overlay. On va remettre en normal et puis on peut baisser l'opacité etc, etc. Voilà. Et on peut aussi ajouter des espèces de gradients. On va recommencer du coup. Hop. Les gradients ça va être des trucs un peu plus poussés. Par contre, sachez que ce sera des gradients, on va dire, qui vont être des images. C'est-à-dire que voilà, là, vous avez une image. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas éditer le gradient directement dans Figma. Par contre, vous pouvez passer par, je clique ici et je fais Edit. Edit Noise and Texture et là, je retrouve. Ce qui est intéressant à voir, c'est que la nouveauté qui est sortie dans ce plugin, c'est que le Animate, maintenant, est disponible. Donc, on a une sorte de génération de gradient animé, voilà, tout simplement. Donc on peut aussi faire ça quoi. On peut aussi avoir ce genre de choses désormais. Et normalement si je le lance en prototype, si je dis pas de bêtises, l'animation sera bel et bien présente. Je crois hein. Laissez-moi checker ça avec vous. Ah. Et voilà, c'est hyper cool et tout. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas l'animation? Il y a pas l'animation. Alors j'ai dû merder un truc, non? Est-ce que j'ai merdé un truc? C'est alors le plugin est linké sur mon comment ça s'appelle? Sur mon Twitter, sur mon X. Il s'appelle Noise and Texture by Roji. Animate. Ok. Et non, ce n'est pas une image animée. Donc je sais pas trop. Parce que ça insère pas une vidéo. Ça insère une image, donc je sais pas trop. Écoutez, je sais pas encore comment ça marche, du coup, l'animate. Ah, peut-être. Non, pourtant, c'est animé dans l'aperçu. C'est effectivement une vidéo. Vous voyez là, c'est une vidéo. Mais quand je l'insère, ça ne s'insère pas en vidéo. Je vais lire un peu le chat. J'ai jamais réussi à faire fonctionner ce plugin. Ok, il a peut-être pas. Il est peut-être encore buggé au niveau de l'animation qui vient de sortir. Ok, mais en tout cas, dans la théorie, regardez, c'est une vidéo qui est générée. En tout cas, ça réussit à générer des vidéos, c'est juste l'insertion dans Figma qui n'est pas encore, encore optimisée apparemment. Parce que du coup, quand ça s'insère, on remarque bien que c'est bien une image qui est insérée et non pas une vidéo. Voilà. Donc c'est Noise and Texture, que j'utilise beaucoup pour le grain, mais apparemment qui fait plein d'autres choses désormais. Voilà les amis. Apparemment, je suis pas le seul à pas savoir le faire marcher. Je voudrais te montrer un site qui ressemble à Figma, mais j'avoue savoir ce que tu en penses, c'est Jitter. Bah Jitter, pour l'exclamation Jitter Starvix. Fais pour l'exclamation Jitter dans le chat, tu m'en diras des nouvelles. On a fait une vidéo dessus déjà, et une sponsorisation avec eux, et j'aime beaucoup, c'est français, donc gros bisous à Jitter. Alors on va regarder un peu les commentaires du plugin du coup. Personne parle du fait que ça marche pas. On va essayer. Hein. Roji. Great. Plugin. I'm high. The only one. Who. Can't. Insert animated gradient
Est-ce que c'est anglais ce que j'ai dit? Ou tout du moins compréhensible? Donc Jitter, ouais, c'est trop bien Jitter. J'ai créé un channel ID versus design sous en live. Je ne sais pas si le nom est ok. Ouais, c'est bien. Hello l'ours, comment tu vas? Ok, moi je lui mets 5 étoiles quand même, évidemment. Merci l'ours pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien incommensurable. Tu connais cables.gl Basti? Non, qu'est-ce que c'est cables.gl, mon petit Vivien Working qui est abonné à Amazon Prime? Ça va super, écoute, très bien. En tout cas, allez checker. Alors, je vous fais la petite news Discord tant qu'on y est. Hop, je fais leak mes DM par une occasion. Salon live, d'accord. Et vous avez ici ID versus design. Hello les Bastipotes, pendant la live, il peut y avoir des moments où vous pouvez déplacer un curseur sur l'écran à l'aide du ZQSD dans le chat. L'idée est de proposer des versus entre deux choses pour mettre de voter en déplaçant ce curseur. Proposez vos meilleurs versus design. Voilà. Et tu peux rajouter... et mettez des likes, bien sûr, à ceux que vous aimez bien. Voilà. Ça, c'est, pour moi, c'est bien. On peut faire des systèmes de upvote. Et l'idée... alors, si tu peux... Tiens, rajoute ça dans ton message, else. Ça. Sur le modèle de Benjamin Code, Choice of Dev. Merde, j'ai fait une faute. Attention, passage. Il manque un bout. Il manque un bout. Voilà. Tiens, copie, colle ça, else. Et je le supprimerai après sur le modèle de Choice of Dev. Ça, c'est liké aussi. Voilà. Merci, bisous. Merci beaucoup pour ton sub gift à DJ Bullet. Je rappelle, les amis, c'est le September. Des réductions sur les subs. Donc, c'est l'occasion de faire monter le sub goal. On est à 386 sur 700. On est assez loin. Mais à la fin du mois, on pourrait faire un live IRL. Voilà. Qui met Discord en blanc? Moi. Oh, c'est bon ça! Discord en blanc, Discord en sombre. C'est bien ça. Juste pour trigger. Salut Koda, comment ça va? Hop. Je lis vos petites suggestions là. Salut Nearox. Vous faites le truc du curseur. Ouais, on donne des idées parce qu'on va mettre nos propres dilemmes. Nos propres dilemmes. Pour l'instant, j'ai quoi? J'ai UXUI. Sérif sans sérif. Zelda le chevalier, Zelda la princesse. Bien sûr. Exactement. Et on pourra le faire en mode collaboratif. En fait, vous pourrez peut-être proposer. En gros, vous pourrez proposer deux images et deux textes. Et puis, on fera en mode collab. Else versus Idnama. Ça, c'est refusé. Hardisk et Diffen. Par contre, ça peut être marrant. Hardisk ou Diffen Intelligence. Bref, faut pas que je lise ça en direct, mais en tout cas, proposez vos idées. Les amis, j'ai une miniature à faire. Est-ce que ça vous intéresse? Tiens, je vous mets à contribution. Est-ce que ça vous intéresse de faire, on va dire, une petite demi-heure de miniature avec moi, de Photoshop? Ça fait longtemps, en vrai, d'habitude, on le faisait souvent. Bastille 8 versus Justin Buisson. Ouais, ça, c'est bien ça.